Le Kleisling, ce n'est pas rien. Ah, je ne dis pas le contraire. Il en fallait bien un. Il en fallait bien un. On n'écoutait que lui, dis-nous cela. En règle générale, on prend celui qui a le plus de vaches dans son étable, tout simplement. Tu n'as pas été, toi. Beaucoup de choses ont changé depuis. C'est bien ce que je dis. Tu savais qu'il a été une fois champion du concours annuel de tir à l'arc? Il a reçu une coupe. Il est sur le buffet. Ah tiens. Il a toujours été. Pas possible. Tu te souviens de cette affaire à l'époque, tu sais bien? Ah, évidemment, j'y étais. Pas celle-là, l'autre. Ah, l'autre. Il a quand même su dire ce qu'il fallait dire. Oui, et qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je ne sais plus exactement où il l'a dit. Et qu'est-ce que tu crois, ça lui fait plaisir? J'en doute. Dommage. On n'a pas tous les jours 90 ans. Un anniversaire chasse l'autre. 90, c'est un chiffre. Encore 5 ans, il sera félicité à la radio. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'entendais plus respirer! Je me suis dit... Eh, ça va, Evie. Ben, avec un pêche-maker flambant neuf comme le sien, il n'y a pas de danger, ça ne se détraque pas comme ça. Pareil qu'une montre suisse. Ah, ben, comme tu dis. C'est quand même fou, cette technique et tout ça. Je viens de lire quelque chose là-dessus. Tout ça fonctionne avec des puces. Des puces, exactement. Mais attention, hein, ça s'envoie sur le tapis. Bizarre. Qu'est-ce qui est bizarre? D'habitude, tu ajoutes le tapis de Lucas au vol à moindre tâche. Je dis ça, moi. Oui. Je ne l'ai pas dit cette fois. Bah, c'est bien ça qui est bizarre. Maintenant, la sonde va vraiment tomber sur le tapis. Le tapis est délicat, voilà moins de retard. Ah, tu vois, je le disais bien. Tu peux me donner le cendrier? Il est à côté de toi. Des fleurs pour fêter le grand jour. Mon Dieu, j'aime bien être dehors. J'aime bien être dehors sur lui, en journal. Avec ta photo. Oui, je sais. Il paraît même qu'il a gagné une coupe. Elle va le buffet. Ah, tiens. Elle y a toujours été. Ah bah c'est pour ça. Ah pour ça quoi? Bah c'est pour ça qu'on la remarque pas. Parce qu'elle y a toujours été. Oh, n'importe quoi. Et ils ont eu un tremblement de terre, a dit ça, mais bah. Au moins 500 morts, d'après ce que c'est trahible. Ah bon? Allez, ça, mais bah, c'est pas la capitale de l'Éthiopie, ça? Ah, tu vois, je le sais encore. La capitale de l'Ouganda, j'ai oublié. La capitale de l'Ouganda! J'en ai besoin pour mes mots croisés. Il y a quelque chose d'intéressant? Ça peut arriver. Je vais manger, bref. Bientôt! Pourquoi tu regardes si il y a un truc intéressant? Il y a quelquefois le sport vers cette heure-ci. Mais pas maintenant? Non, maintenant. Il n'y a que la mire. Je vais manger, moi, hein? Bientôt! Mais tu as qui? Pourquoi pas? Et alors, tu as réfléchi, père? Réfléchi quoi? Oh, rien, rien, rien! Tu veux passer tout l'hiver ici à regarder la mire? Bah, j'ai suffisamment à faire!
Et toi, par exemple? Eh, quoi, à ton avis? Qui s'occupe du ramon de pente? Tout devient automatique aujourd'hui. Automatique? Ça épargne des hommes et de l'argent. De toute façon, ça n'a jamais rien apporté, cette colline de merde. L'hiver dernier, à peine si on a eu un connard pour mettre en route le câble. Ils vont tous dans les grandes stations du haut. Automatique? Ce sera trop facile. Ils ont quelque chose, hein? Il n'y a rien à dire. Comme ça, ni vu ni connu, automatique. On pourra encore dire là. Ah, c'est bien ce que je dis. Ben, maintenant. Ah, il se passera bien quelque chose, il faut prendre les choses comme elles viennent. Et pourquoi il faudrait prendre les choses comme elles viennent? Ah, parce que ça vient comme ça vient. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi, c'est tout simple. Ben, c'est tout d'un coup, ça ne va plus. Ah, ça a toujours été, d'une manière ou d'une autre. Bon, ouais, hein, je demande simplement. Oh, moi, ça m'est bien égal, j'ai mon brevet d'apprentissage. Oh, qu'est-ce que je fiche encore ici? Les Mylène Thaler déménagent dans la vallée, eux aussi. Ça, tu vois. Il peut se faire des sous comme peintre là-bas, Mylène Thaler. Nous sommes des cultivateurs, pas des barbouilleurs. Des cultivateurs? Avec une seule main dans les tables? Oh, qu'est-ce que j'en peux si l'agriculture en montagne ne rapporte plus rien? Le grand-père, lui, pouvait encore s'en tirer. C'était notre temps. Bah, tu dois t'adapter au temps nouveau. Ah bah tiens, je dois. Exactement. Les Mylène Thaler descendent dans la vallée. À présent, ils descendent. Et on a d'en bas qui montent ici. Hein, suivez le monde. Ils montent ici, mais ils ne restent pas. Si, pour pisser, tout un bus. Ouais, pisser, ça, ils savent. Chez nous, ils pissent, là-haut, dans les stations chic, ils paient. Ah, chacun a donc sa part. Je préférerais moi aussi qu'on ait le Matterhorn plutôt que le rocher de la cascade avec son pissoir au bas de la route. Oh, ouais, le Matterhorn, ça doit rapporter des sous. Mais le pissoir aussi pourrait rapporter des sous, puisqu'il s'arrête bien pour se soulager. Ça pourra être aussi que ça. Bon. Que veux-tu, Addis Abeba, ils ont des tremblements de terre, à chacun sa croix. Et ils prennent des photos aussi. Ça, ils ont toujours fait. C'est sûr que c'est joli chez nous, hein. C'est comme une carte postale. Un vrai paradis. Ah, ils regardent même à l'intérieur, quelquefois. Comme s'il y avait quelque chose à voir. Ouais. Ils veulent voir comment c'est, tout simplement. Parce que chez nous, c'est encore comme c'est. C'est pour ça. C'est pas comme chez eux avec toutes ces puces. Toute l'année dans leur bloc de béton. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire dehors? L'air est irrespirable. Faut déjà qu'ils aillent loin pour avoir un peu d'air frais. La pollution de l'environnement, ça vient de là. Parce qu'il faut qu'ils aillent loin pour avoir de l'air frais. Pense seulement au gaz d'échappement. En tout cas, ils donneraient cher pour vivre comme nous. Tu crois? Bah, sinon, ils pourraient passer ces là quand on dirait qu'à par ici. Hein. Bah, exactement. Ici, on s'ennuie. Ici, tout est à ta maman. La vie saine à la campagne. Avec la vie, rien n'a changé. Et ça vaut de l'or. Si seulement on avait la vue plus loin que le rocher d'en face. On doit être content de ce qu'on a, sinon tu peux aller à Addis Abeba. Leur maison dégringolée comme des boîtes d'allumettes. C'est quand même plus massif chez nous. Quelquefois, quand je suis dehors, je m'assieds sur une pierre et je regarde, comme ça, loin devant moi, jusqu'à ce que le rocher n'y soit plus. Et quelquefois, plus loin encore. Jusqu'à ce que moi-même, je n'y sois plus. Alors? Pas du monde raciste! Bon, quand est-ce qu'on sert la soupe? J'ai encore parlé à Eugène Dobler de toute l'affaire. Il demande 10%, le reste est pour nous. Hugues Dobler se connaît, hein. Pourquoi? Il en a d'autres qui font ça? Pas vraiment, mais chez Petit Coffeur, le bijoutier de Schlaffen, là-haut. Soupe.
Chez Butikofer, le bijoutier de Schlaffen là-haut. Et bah c'est là que le Gentobler arrête tous ses cars. Et Butikofer lui laisse en échange 5% des ventes autorisées. Ah ouais, Butikofer lui a quelque chose à vendre. Mais nous aussi, c'est ce que dit le Gentobler. Tu as bien vu comment il se bouscule pour regarder. Ah, on serait bien bête de le laisser seulement pisser. Je suis petit vacheur. Mais tu le resterais. Mais pas avec une seule vache à traire. Ah, je ne sais pas. On en serait prêt à marcher, nous aussi. Ça ferait au moins 20 quarts par jour. Ah, quand même. Fais-le. Parler à qui? Avec Huguette Doubleur. À quel sujet? Comme ça, une idée. Une idée. On peut essayer, non? D'accord, mais il serait donc là dehors, regardez pas la fenêtre. Oui. Et puis, il peut voir ça. Bah, on leur a déjà vendu le rouet et le pétrin. Ils prendront bien le reste. Bah, c'est quoi le reste? Bah, à ton avis, c'est nous le reste. Comment ça, nous? Nous et tout ce qu'on a. Un environnement à tête. Exactement. Ce sont les mots du Gentobler. Bah, il a dit ça. Oui. Ils veulent voir comment c'est, parce que c'est encore comme c'était. C'est comme ça. Quand même. Thank you.
partie. D'abord, les jambes. Puis, il monte vite jusque chez nous. Oui, la regarde. Voyez l'aumônier, évidemment, dans notre salle à manger. C'est ce que les gens aiment aujourd'hui. Une belle région et un monde qui n'a pas bougé. Il ne viendra encore personne pour le moment. Moi, je pourrais regarder. Mais quoi? Bah, comment on vit? Mazelet vient de mourir. Ah bon? Ils lui ont ôté la moitié de l'estomac, mais il n'y avait plus rien à faire. Thank you.
Alors, c'était comment? Bah, ça dépend des moments, hein. C'est comme on regarde. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu le vois bien, je mets la table. Maintenant? Qu'on mange, il se passe toujours quelque chose. Demain, une gaine sauveur sera là. Il voudra voir ce qu'on fait. La semaine prochaine, on commence. Bah, tu as dit qu'on n'avait rien de spécial à faire. On a raison. Je ne peux pas faire de mal si on dirige un peu les choses et qu'on prenne notre air du dimanche. Fais-nous une soupe, Martha. Maintenant? Oh, ça suffira, tu t'offres simplement avec l'arrosoir. On fait d'abord un essai pour voir. Hé, hey, qu'est-ce que je dis en entrant? Qu'est-ce que tu dis toujours? Attends! Stop! Oui, mais tu sais très bien comment tu es. Tu peux donc bien te jouer toi-même. Bon, on fait encore un essai pour voir. Les rideaux s'ouvrent, nous sommes à table. Maintenant, on devrait dire quelque chose. Bah, dis quelque chose, hein. Moi, j'ai pas d'idée. Dis ce que tu dis toujours. Sans faire de pause entre-temps. Je ne sais pas ce que je dis, moi, je ne m'écoute pas quand je dis quelque chose. Vas-y, a le cancer, tu as dit. Oui, mais parce qu'il vient juste de mourir. Peut-être pas une bonne idée, finalement. Et qu'est-ce que tu veux donc faire? Descendre en ville et peindre les murs comme Mulet tout à l'heure? Si seulement il se passait quelque chose ici. Passer dans le temps une chose ou l'autre, non? Dans le temps, oui. Une chose ou l'autre. Et quand, par exemple? Quand ils ont mis une pièce sur la lune. Hein? J'entends encore Hans dire « Sacrano! Voilà qu'ils ont mis une pièce sur la lune! Et c'est le jour où la lâche a eu son vol !»
inventer quelque chose. Inventer? Et quoi par exemple? N'importe quoi d'un peu excitant. Je pourrais servir le thé. Le thé? Oui, avec des gâteaux. Tu trouves ça excitant? Il n'y a pas des gâteaux tous les jours. Et si le téléphone se mettait à sonner? Le téléphone se mettrait à sonner? Comme ça, tout d'un coup? Oui, je décroche, et c'est Max. Quel Max? Max. Max en Amérique. Je connais pas de Max en Amérique. Moi non plus, mais ça se pourrait. Ah, s'il n'existe pas, il peut pas appeler. Ça pourrait être Anna Aubert. Elle appelle quelquefois à cette heure-ci. Voilà. Mais il faudra qu'elle appelle juste au moment où ils sont en train de regarder. Et une scène d'amour. Ah, une scène d'amour. Oui, tu rentres et tu dis à maman, bonjour mon chéri. Un truc dans ce genre-là. Il ne dit jamais, bonjour mon chéri. J'ai rien dans ce genre-là. Oui, mais j'ai dit si on inventait. Mais sûrement pas ça. Quoi alors? Ah, je ne sais pas, mais sûrement pas ça. Calme-toi, papa. Anna est un peu nerveuse. C'est normal quand on est enceinte. Ah, oh. Enceinte? Oui, d'un nègre de l'Ouganda. Ah, très drôle. Bah, tu voulais des choses excitantes, non? Tu me dégoûtes. Arrêtez de vous disputer. Ce sera pas Kampala, la capitale de l'Ouganda? Hein? Rien comme ça. Ce que les gens veulent voir, c'est la campagne profonde. Une vie famille de paysans, comme dit Hugues Tableur. Eh bien, c'est ce que nous sommes, non? Une vie libre. Voilà ce qu'ils veulent voir. Chacun son propre seigneur et maître. Où est-ce qu'on voit encore ça de nos jours? Où on peut encore dire ce qu'il y a à dire? Oui, mais quoi? C'est toute la question. Tu pourras chanter une tyrolienne? Non, merci bien. C'est une bonne idée. Ben, nous, qu'est-ce qu'on ferait? On fait les paysans qui écoutent. Je chante pas de tyrolienne. À Clashline, on chante des tyroliennes. Point à la ligne. Quelqu'un m'aide? Mais qu'est-ce que tu vas faire? La place du grand-père est sur le banc près du poêle. Et comme ça, d'un coup? À Clashline, le grand-père s'assied sur le banc près du poêle. Point à la ligne. Oui, ce n'est pas bête. Et est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour vous? Mets ton tablier à fleurs. Mais pourquoi faire? À Clansline, la mère porte un tablier à fleurs. Pointe à la ligne. Résumons. Anna chante une tyrolienne et tu entres. Avec le tablier à fleurs. Ensuite, tu mets la table. Ouais. Et papa... Oui, oui. Non. Non. Je vais prendre mon fusil et je vais à la chasse. La chasse, ça fait campagne. Parfaitement. Et moi, je reviens traire les vaches. Quand les rideaux s'ouvrent, on y va. Ah, qu'est-ce que tu attends? Oh!
table. Pour moi, il se passe quelque chose, hein. Mais pour parler, il n'y a plus personne, hein. Eh bien, parle-toi. Je peux pas aller à la chasse et parler par-dessus le marché. Ben, pourquoi pas? Ah, quand on va à la chasse, on va à la chasse. Il n'y a rien de plus à dire. Eh ben, tu dis, tu vas à la chasse, Hans. Je peux essayer. Eh bien, dis tout simplement, tu vas à la chasse. Comme ça, je pourrai répondre quelque chose. On a déjà eu l'idée. Bon, cette fois avec un peu plus de conviction, hein. À la table, ça me plaît mieux. Oh non, non, à la table, il ne se passera rien une fois de plus. Ce serait mieux de toute façon qu'on n'invente rien nous-mêmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as déjà joué cette pièce de théâtre avec les autres pour l'inauguration du nouveau gymnase? Ouais, ouais. C'était aussi une histoire de paysans. De paysans à la campagne. Bah. Ah ouais, ouais, Jacob faisait le fiancé. Tu as encore le texte? Il doit être dans l'armoire. Est-ce que ça va encore pour aujourd'hui? Bah, un écrivain doit le savoir mieux que nous. En tout cas, ça doit correspondre à ce que les gens veulent. Ouais. Ils veulent voir comment ce serait si c'était encore comme ça. C'est comme ça. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à Clinselen. La température extérieure est de 4 degrés. Votre escale durera 10 minutes. Vous avez très exactement 1 minute pour pisser, 1 minute pour vous laver les mains et le reste de votre temps pour contempler le spectacle. C'est toujours de bon cœur. Ainsi le veut la coutume chez nous. C'est
très bien dit, Jacob. Et quand c'est la ferme des Holzer, j'aide encore plus volontiers. Donne-moi ton verre, Jacob. À moi de le remplir. Dans ce cas, je ne dis pas non, Lise. C'est bien, Jacob. Quand on a été à la peine, un verre de cidre n'en coule que mieux. Mais ta vie, que ce n'est point seulement son cidre qui te plaît chez notre Lise. Il a bien dit, Lise. Nous avons gardé assez longtemps dans nos cœurs ce qu'il y avait entre nous. Il faut bien que cela sorte ou nous finirons par étouffer. Alors, c'est donc sérieux dans vos têtes? Oui, mais c'est une chose sérieuse entre Jacob et moi. Est-ce qu'il plaît au bon Dieu? Si je peux donc... Nous pouvons donc... Doucement, Jacob. Les choses vont un peu trop vite pour moi. Le dernier mot... Oh! 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 Tu vas encore à l'auberge du soleil aujourd'hui? Pourquoi? Mais tu y vas presque chaque jour. Et alors? Comme ça. Anna! Après le fond, plein hiver. Dans cette ferme, la récolte dure toute l'année, c'est comme ça. Quand même. Et toi? Avec tes chamois qui grimpent aux arbres? C'est pas moi qui l'ai grillé. Tu pourras peut-être refaire de rosti. Ça fait un moment que je mange le même morceau. Je dois passer ma journée dans la cuisine à faire des rosti. On a qu'à prendre la compote de pommes. Compote de pommes? Mais ça se conserve plus longtemps. Nous devons être vrais. Comprends-tu cela? Qui aura l'idée ici de manger de la compote de pommes? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois bien, on a encore le droit de se faire belle, non? Ah bah pour moi, ça va comme ça. Bah, pour toi. Pas si mal, encore une fois. Ça valait la peine. Foiré en ville, avec des espèces de... S'il n'y a rien de plus urgent. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu as, Martin? T'as de mauvaise humeur? Tu n'es plus comme avant. Ça donne des ulcères à l'estomac. Puis comment ça? Tu as changé, on dirait. Changé comment? Bah, changé, voilà tout. Faut-il que tu regardes constamment dans cette boîte? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Le robinet fuit toujours dans la salle de bain. À vous?
pas idiot, s'il te plaît. Hein? Bah, arrête. Tu pourrais te cultiver. Tu pourrais coller. Bah, coller. On pourrait parler ensemble. Ouais. À quel sujet? Mais qu'est-ce que je sais, moi? Tu pourrais me demander quelque chose, tu ne demandes jamais rien. Arrête. Allez, demande-moi tout. Tu pourrais m'apporter le cendrier. On ne se met trop loin. Oh, ça va, on peut bien déconner un peu, non? Vraiment, on deviendra fou ici. Tenez, vous la connaissez celle-là? Un avion va atterrir. Et la tour de contrôle qui demande au capitaine. What is your position? What is your position? Et le capitaine qui répond, bah à l'avant comme d'habitude. Bon, tant pis. Personne ici n'a encore compris l'histoire. Quand est-ce qu'on dîne? Qu'on dîne? N'est que 4 heures. Ah, je sais. Bah pourquoi demandes-tu? Tu m'as dit de te demander quelque chose. Mais sûrement pas ça, c'est un cire. Bon. Je te redemanderai quand il sera 6 heures. Quand j'étais petit, on jouait à cette espèce de jeu. Quel jeu? On voit un objet quelconque dans la pièce. Et l'autre doit deviner ce qu'on a vu. Ah, ce jeu! J'ai vu quelque chose. Hein? J'ai vu quelque chose! C'est en bois? Non. Et c'est en métal? Non. C'est suspendu au mur? Non. Bah alors c'est sur le sol? La plupart du temps, oui. Pourquoi la plupart du temps? C'est sur le sol ou ça n'y est pas, hein? Bah maintenant, c'est à moitié sur le sol, mais pas vraiment sur le sol. Maintenant, c'est davantage sur le sol. Maintenant, ça n'est plus sur le sol. C'est idiot! C'est quand même pas quelque chose qui bouge. Si, quelquefois. Alors, ça vit? Je ne sais pas, sans doute que oui. Il y en a un autre qui arrive! C'est Sweet Mother, c'est le dernier! Moi de remercier Jacob, tu es venu au bon moment. Qui aurait pensé que vous allez bien? Maintenant en plein hiver. Justement, c'est bien ce que je dis. Détends pas le foie. Nous allons super vite. Ah si seulement le grand-père, il n'était pas foulé le bras, qu'il n'était pas vraiment plus en affaire. Il y avait un temps, il grimpait aux arbres comme un chameau. Ou comme un lézard des montagnes, si on préfère. Donne-moi ton verre, Jacob. À moi de le remplir. Dans ce cas, je ne dis pas non, Liz. C'est bien, Jacob. Quand on est à la peine, un verre de cidre dans un coup de mieux. Mais t'as vu que ce n'est pas seulement son cidre. D'autres fois, à le dire. C'est quand même pas si difficile, non? Non, mais ça fait maintenant des semaines que ça dure. Et il y a des moments, tout d'un coup, on ne sait plus ce qu'on dit. Et quand on ne sait plus, ben on ne se rappelle pas non plus. On n'a qu'à prendre une autre pièce. Il faudrait qu'il y en ait au moins un qui dise ce qu'il faut dire. La chose avec Jacob, là, ça ne vaut rien. Pour ma part, je suis contre. Contre quoi? Contre ce mariage. Il veut avoir la ferme, c'est tout.
Mais t'inquiète pas, papa. J'en veux pas, Jacob. Ce que j'aimerais le mieux, ce serait d'être infirmière. On rentre à la maison et on raconte tout ce qu'on a vu à l'hôpital. Et on a encore sa blouse blanche sous son manteau parce qu'on doit repartir tout de suite tellement qu'on a des choses à faire. Tu as vu ça, l'affaire du... Ouais, c'est fou, hein. C'est comme ça à la vie. Où vas-tu? Ah, si j'en viens encore un. Quand le dernier de Moser est passé, après, il n'en vient plus. Cette façon qu'ils ont de s'en aller tous. Je vais pas me saouler au café, moi. Non. Toi, tu traînes dehors à regarder les nuages. On peut mieux réfléchir dehors. Ah, très bien. Et qu'est-ce qu'il en sort? Rien. Rien? Eh ben bravo. Pour un si beau résultat que j'arrête pas de geler le cuillère. Et toi? Qu'est-ce qu'il en sort de tout ça pour toi? Ha! Bientôt une 250 Kawasaki! Ah oui, évidemment. Pour toi, les choses sont plus simples. Tu es mécanicien. Tu peux t'en aller d'ici. Des mécaniciens, on en a besoin partout. Je suis pas idiot! Je sais qu'on a d'abord besoin d'un petit magot. Et après, on peut s'y mettre. Se mettre à quoi? Bah, à vivre, quelle question! Peut-être que tout, finalement, est du hasard. Quel hasard? Tout, je veux dire. Pourquoi sommes-nous justement ici? Et pourquoi pas plutôt en Grèce? Ou au Pakistan? Tu as déjà pensé, toi, comment ce serait si t'étais né au Pakistan? Pas vraiment, non. Je veux dire, serions-nous la même personne ou bien quelqu'un d'autre? Ça me dépasse. Je veux dire, suis-je comme je suis parce que je suis ici? Ou suis-je comme je suis parce que c'est moi et que je suis comme ça? Je sais pourquoi tu es comme tu es. Tu penses trop là-dehors dans le froid. Ça t'a pété les péons. Ah, ne sois pas grossier, hein. Excuse-moi, mais je suis comme ça. Et ce qui se passe au Pakistan, ça ne m'a encore jamais intéressé. Ça n'a pas de sens. Anna a raison, on doit aussi réfléchir, hein, l'ami. Ah, toi aussi, ça te préoccupe, le Pakistan, maintenant? En tout cas, je réfléchis à un tas de choses dans la journée. Et à quoi, par exemple? Je me dis que c'est pas bon de ne trop réfléchir, ça apporte que des ennuis. Voilà une forte pensée. Et tu ferais quoi, toi, si t'étais mécanicien? Ben, je sais pas, je serai mécanicien. Voilà tout. On va être content de ce qu'on a. Tout ce qu'on lit et ce qu'on entend sur les autres... Thank you.
suis allé trop loin, hein. Va te faire, toi. Ah, voilà ce que c'est de boire comme un trou. Ta gueule. Tu m'as compris? Vas-y, frappe, frappe. Je sais même pas de quoi il s'agit. Oh, ça m'est bien légal. Mais il y a tout de même des limites, non? Et toi, papa? Tu sais de quoi il s'agit? Tu veux t'y mettre aussi, toi? Tu n'es pas heureux, tout simplement. Et tu le fais payer à maman. Tout simplement ça. Ce jeu stupide avec le cendrier. À présent, je vais vous dire quelque chose. Si vous croyez pouvoir faire de moi un idiot, vous vous trompez. C'est terminé. Il faut que soit dit une fois pour toutes ce qu'il y a à dire. Vous croyez peut-être que je n'ai rien dans le ventre, que je ne sens rien. Je sais, depuis longtemps, ce qui se trame ici. Qu'est-ce que je suis encore ici? Personne. N'importe qui. Quelquefois, je ne me reconnais même plus moi-même. Tu n'as pas besoin de t'excuser, ça ne me fait rien. Je dirais même que je me sens mieux à présent. Oh, c'est beau! Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas moi-même. Des couleurs, voilà tout. On dirait un parterre de fleurs. Ou un bateau. Un bateau. Oui, un bateau. Et je n'ai pas non plus l'intention de m'excuser. Et pourquoi le devrais-je? Et c'est loin d'être fini. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de vaisselle cassée. Laisse-le. Bon alors, commence. Va te faire, toi. Parle, j'écoute. Je sais trop bien ce qu'il aura à dire. Bah, dis-le, enfant. Ça m'aura étonné aussi qu'il en sorte quelque chose. Je ne peux pas me souvenir de t'avoir vu ouvrir la bouche quand il le fallait. Ah tiens, vraiment pas. Bah, pour gueuler. Pour parler, tu comprends? Parler. Bien. Ça n'a pas de sens. Si, à présent, je veux savoir! Alors, dis quelque chose! Explique-toi! Ça me perd ta langue! Non, le conduisait. Oh. Alors moi, je vais te dire quelque chose. Tu m'es bien égal, Hans, depuis longtemps. Il y a quelque chose de mort en moi. Oui, de mort. Je ne voulais pas m'en rendre compte. Je n'en suis même pas aperçu. Peut-être parce que je n'ai jamais rien attendu. C'est pourquoi je n'ai jamais pu penser que le vide pouvait se faire ici. Tu n'as qu'à t'en aller si ça ne te plaît pas. Si c'était si simple. On ne tient plus le coup ici. Voilà ce que c'est. J'ai des moments où on pourrait tout casser. Si on savait seulement par quoi commencer. Par chance, on est maintenant passé au stade professionnel. Hein. C'est bien dit, Jacob. Qu'est-ce que ça représente?
Un bateau? Admettons. Un bateau. Et toi? As-tu même jamais eu un sentiment pour moi? Moi, oui. Je t'ai aimé. Tu es ivre. T'intéresse. Tes illustrés t'ont tourné la tête.
L'émancipation et toutes ces conneries. Ça n'existait pas dans le temps. Les choses étaient encore à leur place. Il y a trop de discours aujourd'hui. Agir au lieu de parler. Le pire, c'est qu'on n'a plus rien à faire. On est là et on pense. Mais je ne vois rien à penser. Quelquefois, j'ai peur. Je ne sais pas non plus pourquoi. Quand je lis les magazines et qu'on parle d'une chose arrivée, comme cet avion-là qui s'est écrasé, ben j'ai au moins une chose à penser et je pense à cet avion. Penser, penser, agir, faire quelque chose, c'est ça qui compte. Ben fais quelque chose. Et quoi donc? N'importe quoi. Ben, je ne vois pas quoi. Ben alors pense. Pas penser, agir, c'est ça qui compte. Tout à l'heure, quand j'étais dehors, je me suis imaginée que j'étais dans une ville étrangère, où personne ne me connaît. Je suis dans ma chambre et je chante. Comme ça, pour rien. J'invente un air que je chante toujours. C'est ma chanson à moi. Et bien des années plus tard, quand je passe dans la rue où j'ai habité, j'entends brusquement, par la fenêtre, quelqu'un qui chante ma chanson, celle que j'ai inventée. Tout le monde décrète ici ou quoi? Je sais pas ce que vous avez tous. Tout va plutôt bien, non? On n'a jamais eu autant de fric. Pas de quoi s'énerver. Il suffit juste de savoir ce qu'on veut. Quand on sait ce qu'on veut, il ne peut plus rien arriver. Viser le but. Allez, toc. Allez, toc. Allez, toc. C'est ça, la vie. C'est à dégueuler. Nana. C'est comme ça qu'ils veulent nous voir. C'est ça le problème. Ce que les autres veulent, moi je m'en fiche, ils peuvent bien l'avoir. Du moment que je sais, moi, ce que je veux, c'est ça qui compte. Je me suis senti si bien chez vous et comme je vais mieux déjà.
Et comme j'aimerais pouvoir gambader avec les chèvres. Oh, je n'imagine pas d'autre endroit où on pourrait être plus heureux. Regarde, Clara. Le soleil nous fait signe à travers la montagne. Ensuite à tout le monde. Mais regarde donc. Mais tu y arrives, Clara. Hip, hip, hip. Ah, je marche, je marche. Regarde, Andy, je marche. J'ai toujours su que tu y arriverais. Est-ce possible? Est-ce vrai? Père, je marche. Mais bon Dieu, fais bien les choses. Je suis cultivateur,
Oui, cultivateur, si quelqu'un vous demande... absolument ravi de vous avoir reçu. Bravo encore. Merci, cher public. Vas-y, Frédéric, je vais rajouter un petit mot. Attends, on va pas m'arrêter. Vas-y, va ou je veux. Non, mais je veux rajouter un petit mot d'abord. Merci à mes comédiens. Mais surtout merci aux gourmandises. Alain, ça a été une rencontre il y a 4-5 ans. Il y a 4 ans, on est partis en Suisse tous les deux. On a dormi ensemble, donc on est très proches. Ouais. Et depuis, c'est une histoire d'amour entre nous deux. Assume, Alain, assume. Que certains se rassurent quand même, c'est une histoire d'amour, mais voilà. Les bisous. Et je voudrais aussi dédicacer cette pièce à Yannick, qui nous a quittés il y a un peu plus de 2 ans. Oui. Parce que c'est grâce à lui que j'ai connu cette pièce il y a plus de 15 ans. Et puis sa fille est à la régie, Margot. Et à chaque fois, je veux lui dédicacer la pièce. Et on pense très fort à toi, Yannick. Voilà. Continue et dans une heure environ, ce sera Célibataire par la troupe Trac de Créteil. On compte sur votre très grande présence parce que à la fin du spectacle, il y aura une surprise.